Voilà, une petite précision sur Unreal Tournament pour le Unreal Tournament Black Edition sur PC. Voilà, pour trouver les personnages, j'ai trouvé. Donc vous allez dans Paramètres, vous descendez dans ici là, dans Avancer, non pas Avancer, dans Joueur. Voilà, Paramètres, Joueur. Ensuite dans Joueur, vous allez faire Modifier personnage en bas. Là vous avez des camps, donc Iron Guard, les Ronins, les Krolls et les Liandry. Donc moi c'est Ronin qui m'intéresse. Je vais faire suivant. Dans Ronin, vous avez Reaper, Bishop, Othello, Jester, Kana et Kay. Je vais prendre Reaper, suivant. Là il me le charge le type, chose que j'ai pas sur la Xbox par contre. Hein. Et là, c'est là où en fait vous avez masque, casque, lunettes, torse, épaulière, bras. Alors on va voir masque. On a deux types de masques. Avec masque ou avec masque ou sans masque en fait. La casque, donc on peut lui mettre un casque. Il y a six casques. Donc là vous pouvez voir que ça change en fait l'apparence de la tête. Waouh. Voilà, j'en mets pas. Lunettes, alors on peut avoir des, oh, putain, des lunettes comme ça ou pas. Torse, il y a trois types de torse. Est-ce qu'on peut tourner en même temps ou pas? Pivoter personnage, ouais, on peut tourner. Donc voilà, là vous pouvez voir le torse comme ça. On va changer encore. Putain, c'est génial. Donc là, on voit un autre torse avec un espèce de tube sur lui. On revient au premier. Le premier, c'est le classique, un peu Gear of War en fait. Hein. Épaulière, donc on va se mettre au niveau des épaules. On va se mettre là, voilà. Alors épaulière, on a 6 épaulières. Alors on va commencer, on a la 1, qui est comme ça, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Donc on va mettre là, moi pour ma part c'est la 3 que je préfère. Les bras pareil, on va changer donc les bras. Alors on va commencer par le 1, voilà le 1, 2, 3, 4, 1. Alors moi pour moi ça va être le 1. Cuisse, pareil, on va changer ici. Donc, on va changer le. On a trois types de cuisses avec la robe ou pas. Donc, ça fait un peu locuste. Alors, je vais enlever ça. Voilà, je préfère comme ça. Ah non, là, ça fait un peu moche. Voilà, c'est bien. Là, ça fait un peu moche comme ça. Je sais pas. Voilà. Quoique, de dos, ça fait ça. Voilà, je préfère ça. Et les bottes, pareil, on va. On va changer les bottes. Donc ça, vous pouvez les faire, les bottes, l'accessoire. Hein. Donc on va changer, voilà, le bas. Et on peut mettre, putain, c'est cool. Je vais mettre la 3. Voilà. Voilà. Donc, accepter. Voilà. Donc là, moi, j'ai changé mon truc. Et donc après, vous faites retour. Et puis, voilà quoi. Après, vous avez fini. Voilà. Donc, si je ne l'ai pas dit précédemment, on peut faire campagne. On peut faire action instantanée, c'est style escarmouche en fait. Multijoueur avec tous les modes qu'il y a. Hein, donc, multijoueur, c'est. Ah, mais là, je peux pas parce que je ne suis pas connecté. Merci, au revoir. Non, oui, non. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Ok, retour. Voilà. Communauté, je m'en fous. Paramètres. Voilà, on peut paramétrer donc tout ça. On peut paramétrer aussi en avancée. Plein de choses. Active les ombres dynamiques ou pas. Active les ombres d'environnement lumineux. Il y en a toute une. Regardez. Il y en a toute une flopée de trucs. Mode détail. Élevé ou pas. Désactive le décalage de fil d'image. Décalage. Désactive le décalage du fil d'une image. Waouh. Ok. Niveau de détail des effets aussi, pareil, on est en haut qualité des ombres, j'ai mis basse, mais je pense que je vais essayer de mettre un peu plus. Ah putain, il y a carrément à fond ou pas? On peut pas régler. D'accord, bon, je vais mettre à fond, accepter, appliquer, je vais regarder ce que ça donne. J'ai mis intense en couleur aussi. Retour. On va faire une action instantanée, on va faire un deathmatch tout simplement et voir ce que ça donne en qualité. On va mettre une map
tiens, comme ça, c'est pas mal. Allez, on verra bien. On peut faire un cycle de cartes aussi. Voilà, là, au niveau du bot, en compétence, je vais mettre... pas autorisé, adepte. Attends, c'est ouais, adepte, ouais. Parce que franchement, nombre d'adversaires 14, score 20, forcer la régénération, on s'en fout. On peut enregistrer la démo. On peut mettre des. Comme dans Halo, on peut mettre des trucs qui vont enlever des armes. Ou, exemple, des mutateurs, ça s'appelle. Gravité faible, grosse tête, handicap, ralenti. On peut mettre des trucs comme ça. Démarrer, je fais juste. Une minute de jeu pour qu'on voie et d'une la qualité et que je m'en aperçoive aussi et c'est tout. Si vous voulez plus de détails en jeu ou quoi, il y a l'autre vidéo qui est que j'ai fait juste avant, je crois. Si je la mets normalement, voilà. Allez, c'est parti. Là, c'est chacun pour soi. Jouer. Ah, ça, normalement, hein. Oui, oui. Ouais, c'est ça, c'est chacun pour soi. Grand pétard de Brest. Ok, d'accord, ça marche, ça marche. Pas de problème, j'arrive. Ce n'était qu'un échauffement. J'aime bien quand c'est le bazar comme ça, là. Ah, bah c'est mieux, adepte, c'est mieux. Parce que tout à l'heure, là, je les ai mis en... Juste avant, c'était pas top. Ils étaient un peu bêtes. Là, c'est bien. Là, ça me plaît. Difficile. Si vous voulez des coriaces, il y a en coriace, il y a Quake Arena Arcade. Les bots, ils sont coriaces, hein. Pétard. Si vous l'avez pas ce jeu, essayez-le, il est bien. Vous voyez, c'est mon personnage en fait. Donc ça, c'est cool. Il a bien gardé en fait. Je savais pas comment faire. Là, c'est bon. Je peux pas y récupérer son arme. Ah, oh, mince. En sachant que il y a un mode console où on peut en fait jouer à la troisième personne, hein, comme Gear of War en fait. J'avais dit une minute, mais bon, finalement. Je vais perdre, à mon avis, je serai pas premier, ça c'est clair. C'est mieux, adepte. Donc le niveau des bots là, c'est adepte. C'est largement mieux. Je savais pas comment faire ça. Je suis en os. Oh putain, je suis en squelette carrément. C'est excellent. Là, il a du punch, le jeu, j'aime bien. Ah ouais, lui, il a une roquette, hein, c'est sûr. Ah, j'ai un snipe. Ah oui, si vous ne l'avez pas encore, téléchargez Team Fortress 2, il est gratuit. Hein. Et c'est un... Alors là aussi, pareil, il y a des trucs, vous gagnez plein d'objets, en fait. Pas de overboard là, on peut pas. On y est, je sais pas, sur la map, on y est, je sais pas combien. Il reste. Pourquoi ça a arrêté là, hein. Alors, vous pouvez même le HUD là, vous pouvez le modifier aussi. Hein. C'est-à-dire, vous pouvez avoir les infos que vous voulez en fait, le classement, le score, trucs comme ça. Celle-là, elle a deux tirs qui... Oh, dommage. Cette arme, elle a deux tirs qui se chargent. Ça, elle envoie trois roquettes en même temps, après. Alors, c'est l'arme qu'elle a, c'est... je l'ai. Hein. Elle fait deux tirs, celle-là, ça ou ça.
Oui, ça va le faire. En squelette. Oh, yeah. J'adore ce jeu. Clac. Ah, dommage. Vous avez perdu la partie. C'est pas moi, ça. Hein. C'est elle qui a gagné, je crois. Ça doit être ça. Mais elle vole. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt.